Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Ces églises sont venues de l'enfer. Et ces églises-là sont conçues par Lucifer lui-même. Et il a envoyé ces églises sur la terre pour vous capturer. Si tu meurs et tu atterris en enfer, tu vas regretter chaque seconde que tu as passée dans ces églises de la mort. Sortez des écrits de la mort. Toi qui m'écoutes et tu es à l'aise dans ton église, on ne parle que de grâce. Dieu de miséricorde, Dieu de l'amour. Oh Dieu, oh Dieu gentil, Dieu bon. Mais pour voir, meurs tout de suite. Si tu meurs une seconde après, tu vas voir ce que tu es en train de dire. Sortez de là. Je t'invite pas dans mon église, même dans ta chambre, dans ta maison. Tu peux appeler Dieu dans la vérité, en esprit, et il va te répondre. Mais si tu es dans les écrits de la mort, les écrits de la voilage, les églises bonnes nouvelles sans péché, les églises ont dit que non, Jésus-Christ est mort, il n'y a plus de condamnation pour les péchés, et tu vis, tu es bouillonnant dans la poubelle, dans la poubelle, réponds-toi. Sors. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi d'entre les morts. Toi qui dors. Toi à qui on a déjà prêché l'évangile climatisé. Et ton âme est déjà rentrée dans le réfrigérateur. Et ton cercueil t'attend déjà au portail de l'enfer. Sors d'entre les morts. Sors d'entre les morts. Je te dis la vérité. On t'a jamais prêché l'enfer. L'enfer. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Je te le dis, si tu passes une seconde en enfer, si tu passes une seconde en enfer, au moment où je suis en train de parler, des millions en train de pleurer en enfer, en train de demander au Seigneur, donne-moi une seconde, une seconde, je vais me repentir, je vais abandonner la vie d'impudicité, donne-moi une seconde, on leur répond. C'est trop tard. Tu as déjà passé toute ta vie comme tu fais sur la terre. Après la mort, il n'y a plus rien. Si tu traverses la frontière de l'au-delà, si tu traverses la frontière, il n'y a plus rien à faire. C'est sur terre que tu peux oublier ton passeport et revenir à la maison chercher. Mais au portail de la mort, il n'y a plus rien à faire.
Et je te préviens, toi qui as écrit de la voie large, tu ne peux pas pratiquer la sainteté dans une église de la voie large. Tu ne peux pas pratiquer la sainteté dans une église de la mort. Tu ne peux pas pratiquer la sainteté dans une église qui dit que Dieu ne regarde pas le corps. Quand Dieu regarde le cœur, c'est des églises de la mort. C'est des églises de poubelle. Dans ces églises, les pasteurs ont des copines dans le groupe de courage. Ils sont des copines. Toi, pasteur, qui as des copines, si tu meurs, si tu meurs, si tu meurs, je te le préviens. Je te le préviens. Je te le préviens. Vous vous cachez derrière leurs grands titres. Les bishops, les révérends docteurs, docteurs divinité. Est-ce que c'est toi qui enseignes Dieu? Fermez les centres de théologie. Les centres qui enseignent l'évangile de la mort. Je vous le dis en vérité. Faites tous les coups. Monsieur réveille. C'est un feu. Allumé depuis le ciel. C'est un feu allumé depuis le ciel. Sachez qu'il y a désormais des Shadrach, Meshach, Abednego sur la terre. Sachez qu'il y a désormais des Bénin, des Étienne qui sont prêts à mourir même face au jet de pierre. Si vous voulez, lapidez-moi. Si vous voulez, appelez-moi. Envoyez tous les incantations que vous voulez. Mais je vous dis, si tu meurs dans cette poubelle, dans cette vie de bipolarité, dans cette double vie, je te dis, ton traitement en enfer, ton traitement en enfer, les gens que tu as perdus, pas tes raisonnements théologiques, fantaisistes, diaboliques, tu rendras compte, tu rendras compte, toi Marie, qui persécute ta femme parce que ta femme ne veut plus vivre dans les choses du monde. Elle ne veut plus porter collant pour tourner les fesses au dehors. Et tu la persécutes pour aller chercher les prostituées. C'est dans les chambres de passage que Dieu va t'attraper. La main de l'éternel va te frapper. Repentez-vous. Le temps que vous avez utilisé le nom de Jésus-Christ pour faire du désordre, pour faire du désordre, pour vous, Jésus-Christ est un nom banal. On peut utiliser ce nom pour créer des centres commerciaux, appelés églises, pour vendre des huiles d'onction, pour vendre des bracelets d'onction, pour vendre des mouchoirs d'onction, pour vendre des photos d'onction, c'est la mort. Répentez-vous. Jésus pleure pour vos âmes. Jésus la vie à nous à l'idomitolé. Jésus pleure pour vos âmes. Jésus la vie à nous à l'idomitolé. Cherchez votre délivrance. Mi baka tutu mito. De l'esprit de Python. Si oye au cambreton. L'esprit de Python. Que vous recevez dans les écoles théologiques. Cherchez votre délivrance. Mi baka tutu mito. Sinon si tu meurs. On va nous mi courir mais. Si tu meurs. Nous à coup. Tu sais que tu n'es pas éternel sur la terre. Un jour de plus pour toi. Ça fait un jour de moins pour toi. Mets ta main sur ta poitrine. Tu vas sentir que le ciel est en train de compter ta respiration. C'est le décompte du temps qui te reste à passer sur la terre. Du nombre de secondes qui te reste à passer sur la terre. Et tu veux passer ce petit nombre de secondes qui te reste.
dans la vie d'un peu de cité, dans la vie d'un chien. Si tu vis comme un chien sur la terre, tu vas mourir comme un chien et tu seras traité en enfer comme un chien. C'est pourquoi la Bible déclare que les chiens, les chiens ne peuvent pas entrer dans le royaume. Répentez-vous. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler tes larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourais demain.